Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Terminator Dark Fate Défiance. On continue notre petite poussée, on va dire, face à Légion. Là on avait potentiellement des gens dangereux, si on pouvait shooter le SWO, c'est le dernier debout. Allez, shootez-le. Ok, il tire sur les bâtiments, franchement ça me dérange pas. Oh putain, la vache, ils ont tellement pris cher eux. Le tir d'artillerie en plein dedans. Faut vraiment qu'on arrive à avancer là. Normalement, avec le Bradley, on peut aller au moins jusqu'ici sans trop de risques. Ah là, il reste une meute de loups qui survit, très bien. Pas cool ça, elle va nous tomber dessus de nulle part. Hey, being hidden in there kept us alive when the wirehead swept through here. You ready to get back into the fight? Or you need evac out of here? You need some engineers? Cause we're ready to get back into the fight. Alors attendez, on a perdu un conducteur ici, oui normal, et un conducteur sur mouillé 1. Ok, mouillé 1 c'est le transport blindé, non c'est le... C'est lui là. Ok, donc ça on savait, là de toute façon ils sont en train de réparer. Mais les enfoirés qui se pointent juste au mauvais moment, c'est pas cool. Vous réparez le Bradley, du coup on va peut-être plutôt l'envoyer par là. Tac tac tac. Là j'aimerais bien me refermer sur le... l'artillerie. Ici on a topé un ingénieur qui a une compétence de conduite de char. Donc il y a moyen de ramasser peut-être le Bradley qui est là-bas. Mais d'abord, il faut qu'on élimine tout ça. Là notre artillerie a un angle de tir pas mal, hein. Il faudrait juste qu'on ait une vision. Ici on a laissé plein de monde derrière, mais honnêtement, si l'autre enfoiré se pointe, il y a besoin. Ce qu'on va faire avec notre mec de ravitaillement, c'est venir se déployer ici pour recharger les tourelles. Et après, on verra. L'artillerie est juste là. Putain, ils sont tout prêts quoi. Faut qu'on y aille avec nos Bradley là. Vous avez quoi du tout? Allez, go, on y va là. Avancez jusqu'ici, je m'en fous. Ce bâtiment là, il prend cher, mais il faut qu'on se débarrasse de ces cons. Là, on se soigne un peu, c'est nickel. Ici, on a douillé, mais ça y est, c'est nettoyé. On va réparer un peu. Là, ils ont fini de réparer. Parfait, on va aller se mettre à cet angle-là avec ça. En espérant qu'il n'y ait pas des gros tirs ici. Ouais, on va peut-être pas avancer tant que ça quand même. Hein. On va peut-être se détendre. Qui nous reste? Là, il nous reste un mec. Ah oui, c'est vrai, c'était le sniper. Bon, le sniper, c'est le même qui a pris l'armure. Qui a pris l'arme, ok, donc pas de soucis. Pointez-vous par là-bas, vous serez bien. Il reste quelqu'un derrière. Ah bah oui, c'est le sniper. Ok. Ici, on est en train de se déplacer. Là aussi. Là, on a le petit MV d'artillerie qu'on va envoyer, je pense, par là. Il sera parfait. J'ai complètement laissé tomber le bas. Mais bon, en même temps, pour le moment, ça tient. Là, on a posé nos trucs. Ok, pas de soucis. Du coup, ça coûte combien, là, à recharger? 400 x 6. Ah ouais, ça pique un peu, effectivement. Ça pique un peu, j'avoue. Là, on a des snipers. On va les envoyer par là, avec l'auto. Bon, toi, tu vas laisser de la place pour que ton pote puisse tirer. Là, on a du monde aussi, éventuellement, prêt à gérer. Go. Bon, ici, honnêtement, pour le moment, on a l'air de tenir ce que Légion pourrait nous envoyer. On a ce truc-là. Mais j'essaye d'avancer des objectifs secondaires avant d'avancer celui-là. Ça me paraît pas mal comme idée. Alors, là, ils sont là. Est-ce qu'on arrive à les voir? Ah, putain. La vache. Le pauvre MV, là, qui se prend la grosse sauce. Lower your guns. We're friendlies. Your founders? Shit. Are we glad to see you guys? A lot of you here. This your whole unit? Used to be even more of us,
before we got cut off by a wire. Il y a des gens partout dans cette ville, quoi. Time to get back to the battle then. Get some payback for your buddies. Excellent, une unité d'infanterie. Progressez là. Ça y est, on les voit. Sale bête. Alors là, il y a quoi? De l'homoncule à la con. Ok, donc là par contre, priorité. Allumer ce machin. Allumer ce machin. Vous, alors le Bradley là, vient de déployer par ici. Vous au sol. Si votre véhicule survit, tant mieux. Là, on va récupérer ça. Toi, tu te déploies pour recharger. Ici, c'est toujours en flamme. Là, on les a fait revenir dans le truc. Ouais, c'est bon. Là, ça, c'est quoi par terre? Ce petit Humvee, hein, ça serait peut-être pas mal de le ramasser, mais... Ouais, bon, pas forcément. Une mitrailleuse. Fusil de précision 99. Ouais, ça va. Allez, une de moins. Ok, c'est bon pour l'artillerie, excellent. Là, il y a des petits homoncules qui se pointent. Pas de problème, on va les défoncer. J'ai pas peur. Là, ça brûle toujours. Putain, la vache, ils ont pris cher. Au moins, l'artillerie est nettoyée. Vous, vous allez sortir et vous poser par là, soutenu par eux. Et probablement par toi aussi, qui va te mettre dans cet angle-là, assez loin quand même, parce que si jamais il y a du SWO qui se pointe, c'est toujours chiant. Toi, doucement. Bon, le soutien aérien, il n'y en a plus, hein. Enfin, on s'en branle un peu parce qu'on n'a pas d'aérien surtout. Oh, le petit Abrams avec du plasma, là. Coucou. Oh oui, il m'a l'air très très bien ce petit Abrams là. J'aime cette idée. Là, on va raser ce bâtiment. À nous de commencer à faire jouer l'artillerie. Là, ils sont en train de réparer toujours, mais c'est un peu compliqué. On n'a plus grand chose à l'arrière, ça c'est cool. Il y a eux qui sont en train de se pointer, je sais pas pour aller où, je pense ici. C'est plutôt pas mal, on les prend de tous les sens là, ceux-là. Ouf. On les a tellement annihilés. Eux, ils sont nettoyés, excellent. Vous, si vous alliez soutenir les squads d'ATGM par là, je pense qu'on serait mieux. Là, c'est toujours en train de cramer. Ici, on est rechargé un peu. Ok, parfait. On va remballer et on va aller soutenir, alors déjà, l'artillerie. Parce que toi, tu dois commencer à être un peu à sec. Mi-munition, c'est pas mal. Où est le MV qui portait ça? Il est HS plus loin. Toi, tu pourrais le porter, mais c'est pas trop le thème. On va attendre que ça arrête de brûler. On n'est pas à la minute, on va dire. Du coup, t'étais peut-être un peu trop exposé, mais bon. On va commencer à progresser par là, je pense, maintenant. On va envoyer... le blindé en soutien. Là, on a quoi? De la TGM et tout. On va envoyer une tau. Là, on a la tourelle, plus le truc, plus le petit blindé avec sa mitrailleuse. Ça devrait permettre de tenir cette place. Toi, t'es à sec. Va donc par ici. Tu vas pouvoir te recharger. Toi, t'es un Humvee avec frag. Viens donc par ici. File un coup de main. En espérant que eux ne nous tirent pas dessus à vue, ce serait cool. J'apprécierais très sincèrement. Malbone, ils sont encore deux, on va les ramener par là. Pour qu'éventuellement ils puissent... Oh non, tiens, encore mieux. On va les envoyer par là-bas. Ce sera parfait. Le HMTT... Ah, il y a un véhicule là. Qu'est-ce qu'on voit? Ouh, un char. Un char, ça c'est quoi? Un dépôt de ravitaillement, excellent. Et un HMTT ici. Mais bon, le char, du coup, il est placé où? Oh, toi, t'es un petit peu... T'es un petit peu dans le mal, là, potentiellement. Là, on a un mec avec un tau.
capable de l'allumer un peu dans tous les sens, mais par contre, on n'a pas vraiment ce qu'il faut pour... pour le défoncer efficacement, quoi. Il tire sur quoi? S'il avance là, on le défonce. Clairement. Hey, looking for us? Command finally remember we exist? Yeah, yeah. Good to see you guys too. Shit. Lieutenant Church, that really you? You bet it is. Yeah, the rest of us. Mason? Shit. Command sent you guys into the meat grinder too? Long story, but no. We're just here to shut down the meat grinder. Sounds good to me. What's the plan, Lieutenant? We're gonna finally take down the Legion base here in Oklahoma. Well, all right. About time someone took command of this shit show. We need to rearm, though. There's a supply base nearby we can use. It's still ours? Legion took it. We haven't had the strength to take it back until now. Alors, il y a eux qui ont décidé de revenir. Qu'est-ce qu'ils ont? Un MV ici. Allumez-le, s'il vous plaît. Ah putain, ils sont venus avec un Bradley, sérieusement? Putain, les mecs, ils mettent les moyens, hein. Ouais, du coup, il faudrait que notre tank, là, il se pointe là, en fait. Putain. Ah, la violence. Azul n'a plus de munitions. Ok, on est en train d'allumer le tank. Il y a un angle. Canon détruit, ça c'est propre ça. Toi aussi t'as eu le temps de tirer, je sais pas sur quoi. Peut-être sur le Bradley. Toi, déploie-toi, recharge-moi tout ça. Bon, visiblement les véhicules lourds ont plutôt l'air d'apparaître de ce côté, donc on va laisser le char là. On va foutre. Alors, quoi qu'il y avait un truc qui est apparu ici, qui s'est juste fait annihiler vite fait. Bon, on a détruit ces canons, c'est excellent. Là, ils ont du snipe, là. On est en train de se replier. Un autre ATGM dans sa mouille. Toi, t'es pas capable de le shooter? Si, t'es capable de le shooter. Voilà, merci. Non, raté, pas de bol. Un petit coup de lance-roquette standard. Là, on est en train de recharger les ATGM. Putain, c'est quand même des saloperies, ces tanks, hein. Vache, il s'en est encore pris deux dans la tronche et il a pas souffert, quoi. Ah, là aussi on allume, on a déjà pété un truc. Oh putain, par contre, on va se faire un peu défoncer, surtout qu'on a plus de munitions. Oui, alors là, comment vous dire? Ça c'est quoi? Un transport armé? Ouais, donc ça va. Le plasma, il pourrait s'occuper de ça, et on va envoyer le Bradley affronter ça. Ah, vache! Le bâtiment qui s'effondre là, avec les gens dedans. Putain! Plateforme de ravitaillement ennemi, d'accord, pourquoi pas. Bon là on a vu sur le peuple, hein. Et eux, ok, eux ils sont quand même capables de tirer avec leur canon automoteur, je ne sais pas trop comment, mais ils font le taf. Le char ici est annihilé, excellent. On a encore de la TGM là, c'est Azul TGM ici qui est à sec. Là on est rechargé, Saxon, il fait plus le malin. Bon, par contre on a plus de sous là, on a moins d'avoir des sous. Mitrailleuse, soit ramassez-moi ça. On a Malboom qui arrive en plus pour aider, c'est parfait. On va reculer un peu au cas où il y aurait un méchant. Le Bradley là, il arrive à trouver un angle. Putain, il avance beaucoup. Le plasma il essaie de faire le taf là, mais. Ah putain, non, il t'en reste plus que deux. Oh oui, merci. Vas-y, recule. Là.
Viens ici, toi, viens là. Bon, on a annihilé tout ce qui sortait, mais on n'a pas de quoi tenir. Hein. Clairement, là, on n'a plus de munitions. Toi, tu peux plus tirer. Il va nous falloir du ravitaillement, et dans le coin, on n'en a pas vraiment. La zone est à peu près safe. Ici, c'est pas dit encore. C'est pas dit que ça soit totalement safe. On va envoyer eux chercher... Ouais, si, ça doit être safe. Il y a du monde jusqu'ici, là. On va envoyer eux chercher le petit Bradley. On va envoyer du sniper ici. On est quasiment à possibilité d'aller chercher la Brahms. Qui pourrait aller chercher la Brahms? Bah, les ingés. Sinon, on a toujours eux, là. Ouais, vous. Venez donc jusque-là. Pour commencer. Le ravitaillement, il se replie. Le taux. Je vais le poser là, comme ça on va être capable de défoncer ce qui dépassera par là. Toi, tu te replies. Tu vas aller recharger nos copains par là. S'il te plaît. Là. Tu vas aller poser ta tourelle ici, toi. Et là, du coup, ça y est, ça brûle plus. Hein. Il est temps de rentrer. Là, réparer. Toi, tu vas être posé derrière le bâtiment. Toi, t'es à sec. Ok, viens ici, on va te recharger. Toi, pareil. En espérant qu'il n'y ait pas un char qui sorte de nulle part. Et après, il faudra qu'on aille par là-bas. Soutenir. On va peut-être même oublier l'idée de soutenir et reculer, en fait. Ce serait peut-être pas plus con. Ouais, alors, ou alors on y va agressif. Vous avez quoi comme portée, vous? Ça... Donc en gros, si je vous mets là, vous aurez cette zone. Bien. Ouais, donc pourquoi pas. On va laisser le sniper derrière. Vous, de toute façon, vous êtes à sec, donc restez ici pour soutenir l'anti-aérien. C'est parfait. Vous réparez. Il y a eux aussi qui peuvent conduire un tank. Hein. Ouais, bah du coup, vous allez aller par là-bas aussi. On va récupérer par exemple ceux-là, là. Pour les conduire ça, ça suffira bien. Toi, tu te déploies. A voir si c'est assez grand pour recharger eux. Ouais, parfait. Par contre, qu'est-ce que vous foutez là? C'est la teuf, c'est bon là. On va se détendre. Ok, on revient en position. Par là-bas pour toi. Par là pour toi. Toi, tu remballes. Et on va t'envoyer jusqu'ici. Ici, du coup. Réparez-moi ça. Vous, chopez-moi ce truc. J'ai même pas regardé, mais là, on a récupéré quoi? Putain, on a récupéré plein de trucs. Du ravitaillement, du pilote de char. Un HEMTT, du Striker. Encore du monde, ça c'est à nous. Encore du pilote de char, du pilote normal. Il serait temps de commencer à avancer là, du coup. Toi, tu vas venir par là aussi. Je pense que tu seras mieux là-bas. Ici, on va récupérer ça. On va envoyer la milice par là-bas pour voir un peu à quoi ça ressemble. Soutenu par toi. Soutenu par toi ici même, plutôt. Toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Et on va, pareil, commencer à progresser par là. Hein. Alors, ça, c'est quoi? Un char à Brahms. Oh, putain, oui, c'est bon, ça. C'est bon, un char à Brahms. En avant. On va les défoncer. Là, c'est un peu exposé pour le moment. Vous, là-dedans. Vous, là-dedans. Le camion de ravitaillement... On va le replier par l'arrière. Quoique, peut-être qu'on peut déjà retaper ça. Ouais, bon, en même temps, c'est pas une priorité.
monter là-dedans. Vous êtes 3. Là, on peut mettre 10 personnes. Vous allez aller là-dedans. On répare. Ok, ici, on tient la zone. Excellent. Notre petit camion de ravitaillement arrive. Toi, du coup, tu peux pas tirer, mais va donc par là-bas. On va te trouver quelqu'un pour te remplacer. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Halt. Déploie-toi. Les ATGM, ils sont à portée. Non. Comptez-vous par là. Là, on va mettre l'infanterie là-bas. Ouais, quoi qu'il faut qu'elle recharge elle aussi parce qu'il n'y a plus beaucoup de munitions. Ici, on peut recharger. Ouh, il a du l'obus explosif incendiaire ce Bradley là, j'aime beaucoup. Alors, ici, ce serait bien d'envoyer une petite équipe en éclaireur. Est-ce que par exemple si. Ouh putain non. Demi-tour. On a envoyé 2 ATGM sur leur mouille. Un qui rate, l'autre qui touche. Ça touche. Ouh putain, ouais bah le tank là, enfin le bulldozer qui se fait péter les fesses. Il peut plus conduire donc il est dans le mal. Attends, lui il se fait du coup il se fait shooter totalement gratos quoi. Les Bradley, toi t'as plus de taux, toi t'es chargé en taux. Ah mais putain, arrête de tirer toi. T'es en train de défoncer la Brahms complètement gratos quoi. Ça suffit. Voilà, merci, c'est mieux. Enfin, après, faudrait le toucher, quoi, mais... Ok, le canon est détruit. Ça, c'est excellent. Le char est mort. Putain, par contre... Comment on vide toutes nos réserves. Bon, faut me dégager cet Abraham du chemin, là. Toi, t'as plus de munitions non plus. Ok, alors, niveau ravitaillement, on l'a renvoyé là-bas. Mais je pense qu'il doit commencer à être à sec. Il est à sec, ok. Et on a même pas pu se recharger en ATGM, donc tant pis. Hop, toi, tu remballes. Toi, tu reviens ici, tu vas te déployer là. Il faudrait qu'on récupère ce petit truc. Vous, récupérez-moi ça. Ça, c'était le canon rotatif. Le canon rotatif, on va le placer par là, je pense. De toute façon, il faut qu'on prenne cette zone. Donc, en avant. On va envoyer les snipers et les ATGM rechargés et départ. Toi. Là on répare, tant bien que mal. Je préfère que ce soit lui qui a encaissé. Hein. Plutôt que le reste. Par contre, c'est vrai que s'il nous sort des chars là, on galère. Hein. On galère un peu, on va s'éloigner un peu. Toi. On a repéré du monde. De le moncule avec des sauts. Une grosse attaque de moncule là, mais. On va les défoncer. Oh bah. Coucou. Coucou les gars. Ouais, ici au sol. Bon là on les a. Ça va. Là on arrive à les empêcher de sortir. Tant que c'est du léger. Tant que c'est du léger. On n'avait pas envoyé une... Ah non, c'est des snipers. Je pensais que c'était une milice. Si, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils foutent. En avant. Ah, je leur avais demandé d'aller se recharger. Merde. Tant pis. Vous, vous êtes à sec. Le MV ici. Non, c'est pas celui-là. L'autre, je sais pas où il est. L'autre MV, là, qui pouvait plus tirer. Mais toi, t'as des ingénieurs à l'intérieur. Ah oui, c'est toi, là. Ok, pas de soucis. Allez-y, rentrez là-dedans. Where's Saxon? Me and him got shit to settle. That asshole? Dead in the base ruins. No loss. Even if. Oh. Some threats ahead. Got him in our sights. Supply depot. Horrible.
could solve any ammo problems we got. Now, if it's kind of. Bon, Saxon serait mort. Ça c'est cool, ça veut dire qu'ici, c'est clean. Ah, ça c'est du tank. Ok, donc ça veut dire que du coup on va embarquer. Il nous faudrait un pilote de tank. On en a, mais ils sont loin. On a lui. Viens par là. Foiré là, on avait personne en position pour l'allumer malheureusement. Oh l'artillerie. Bon les canons automoteurs ils font le taf hein. Ils sont un petit peu placés bizarrement mais ils font le taf. On va aller récupérer le truc de ravitaillement ici. Alors ça c'est quoi? C'est le truc volant, ok. Où sont nos ATGM anti-air? Ah, ils sont pas loin. S'ils se rapprochent, ça y est, je pense qu'ils sont en position. S'ils se rapprochent, on le défonce. Deux bases de ravitaillement ici, juste devant la porte de Légion, c'est la bonne idée quoi. Avec des petits bâtiments faibles à la con. Là on est sur du sans recul, parfait. Ouais, va falloir qu'on se retape. Toi t'es arrivé, vas-y, hop. Déploie-toi, vous allez là. Toi tu vas, vous allez venir ici. Toi tu tiens la ligne. Là il brûle plus lui. Chopez-le. Est-ce qu'on peut bouger? Non on peut pas bouger, putain, on a défoncé le moteur là, tout à l'heure avec les ATGM dans le cul. Donc là-bas on envoie des pilotes, ici. T'avais plus de munitions toi, mais t'étais un tour. Bah écoute, viens donc faire un tour par là, puis après on t'enverra au nord. L'Abraham. Pareil, viens recharger. Vous c'est moins grave. Toi on va t'envoyer... par là, ce sera parfait. Eux ils sont en train de faire le taf, là on a récupéré l'artillerie. On pourra la déposer un peu agressivement je pense, genre ici. On va se vider à une vitesse phénoménale. Vous allez renforcer par là. Et ça c'est n'importe qui peut s'occuper de ça. Okay. Donc vous, vous sortez. Du coup, vous, vous allez me choper ça. Et vous, venez par là. Non, venez par là pour le moment. On va essayer de voir ce qu'on peut trouver. Allez, faut me déployer ton anti-air là. Putain, il arrête pas de sortir de la portée quoi. Allez, tire. Oh là là, l'échec. Ah il a lâché des flares pour enlever notre truc. Par contre s'il reste en statique comme ça. Oh, putain on est en galère hein. Ah le foutu aéronef quoi. On est carrément en galère. Bon. Il est temps de se bouger les fesses. Vous tous là. Pointez-vous par là. Visiblement c'est plutôt clean. On va surveiller ça mais je pense que ça a l'air d'être clean. C'est parti. C'est parti. Ici, on a récupéré un autre Bradley, un peu endommagé. Il avait des taux, hein. Il aurait pu nous faire mal aux fesses. Hein. Allez, venez par là, on va rajouter un peu de puissance de feu au coco, là. Ah, ils sortent de la zone de tir.
fouiller ici. Ok, on a réussi à le shooter. Il a essayé de nous lâcher des... Il a essayé de nous lâcher des mondes dessus, mais on l'a shooté avant. Ah, quelques rangers, parfait. Et on a un succès, comme quoi on a trouvé tout le monde. Eh bien écoutez, c'est parfait. Donc, ici, on va pouvoir prendre un peu position. Avec le striker. Toi tu peux pas tirer parce que t'as un mec tout seul dedans, mais c'est pas hyper grave. On va pouvoir ressortir nos ATGM. Toi, bah du coup y a rien à couvrir par ce côté là, donc maintenant ça va être les entrées. Alors il y a une entrée là techniquement, enfin une sortie plutôt. Mais d'abord on active la station de ravitaillement. Ça va nous permettre, d'ailleurs je pense que même toi tu vas revenir. Tu vas revenir parce que ça va nous permettre de... Ah, il y a quoi qui... Ah, il y a des tourelles là. Ah putain, on est à portée de tourelles. Merde. Ça c'est pas cool. Demi-tour. Enfin, demi-tour. Recul plutôt. Dis les gars. Fais-moi ça. Et ici pareil, chopez-moi ça. Fermez l'écoutille et on va pas se faire chier. You sound surprised to see us. Oh, usually see computer geeks this close to the action. We go where we're needed. And we wanted to try and check out weaknesses in that base's network connectivity. Find any? We confirm that if you find any physical entry point into the data streams, Legion cuts it off as soon as it detects the intrusion. That's bad, right? And there's a wireless network inside the factory. It doesn't have an external presence due to natural screening from the surrounding ground, as well as extra screens built into the walls. So that's even worse? I didn't say that. The factory has several surface access points. The gates and shafts where newly manufactured units exit to the surface. So you could connect to the factory systems? Managed to get in briefly, but only to some production line systems. So at the tank assembly gates, you can only connect to the tank assembly network. At the infantry assembly, only that network there. You get the idea. We fooled around with some of those systems, but Legion was quick to kick us out and restore control. But if we could get in there and connect to the main factory data streams... You're exactly what we need. We're gonna get you in there, and you're gonna shut that factory down for us. Ok, protéger les pirates. Alors déjà là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer ça. La tourelle, je sais pas si techniquement on peut se la faire, probablement. Ça c'était quoi? Ah oui, ça c'est les trucs d'artillerie, donc pour le moment pas utile. Là on a pris un peu cher, dis donc. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est pris peut-être un tir d'artillerie ou un truc du style. Bon, en tout cas, visiblement, on peut avancer. Donc avançons. Vous... Est-ce qu'on vous met un peu à l'arrière au cas où il y a des trucs qui sortent? Par là, ils peuvent... S'ils sortent par là, ils peuvent faire quoi? Éventuellement traverser ici, il faudrait que vous soyez là en fait, plutôt. Parce qu'ici clairement, il n'y a pas grand chose à protéger. Hein. Donc on va prendre tout ça et on va le mettre là. Voilà, c'est parti. Les pirates, on va les reculer pour le moment, je sais pas... Hey, salut Flinch. Ok, sounds like we have a solid plan. Great. So now we've got a backup plan in case something happens to the main hacker squad. You got someone else who can operate Legion's data streams? Great! We can simultaneously connect to entry points in different workshops and halt production there. Or disrupt the programming of units being manufactured there. You can get the wireheads they're making there to fight for us? Sure, but only as long as we control those data stream entry points. Soon as we leave, Legion will re-establish control of those hacked units. Better than nothing. We'll deal with it. Boom! Du coup, on a eux en renfort. On va donc se regrouper par là. Toi, pareil, viens par ici. Et ça, j'imagine qu'un coup d'ATGM, on pourrait s'en occuper.
de la TGM éventuellement en position. Toi, y a rien qui peut tirer sur ce truc. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit une priorité. Non, j'ai rien d'ailleurs que toi t'arrêtes de tirer dessus. Merci. Tu peux pas tirer, on s'en fout. Toi, tu peux pas tirer, on s'en fout. On va se retaper, se recharger. On a des limites. 6000, c'est pas tant, hein. Franchement. Okay. Here's the plan. We fight our way into the base, and the hackers connect into the data streams that are coming through the central shaft now that the screening dome's gone. They launch a massive DDoS attack, which will make Legion isolate the base from the rest of the network. And the factory shuts itself down. And without the flow of wirehead reinforcements from the factory, the Founder forces can finally take down that base. Right, that's our plan. So let's do it. Okay. D'accord, donc là du coup, c'est le truc des chars. Très bien. Là, les cyborgs. Ici, les plateformes et les araignées. Et là, les aéronefs. Bon, ça veut dire que du coup, il va falloir qu'on se batte pour entrer. Donc du coup, toi, on va plutôt t'envoyer là-bas. Il va falloir qu'on se fasse une petite force d'assaut ici, une force d'assaut... Bah plutôt par là du coup hein, en vrai, parce que sur le frontal là il n'y a pas trop de raison d'y aller pour le moment, sauf pour atteindre éventuellement ça, mais si on pouvait s'occuper des tanks ça serait quand même cool. Ok, et bah du coup il n'y a plus qu'à, mais ça sera dans un prochain épisode hein, puisque là on est largement assez on a largement assez avancé, on va pouvoir s'arrêter, j'espère que ça vous a plu. Encore une grosse mission, hein, mais franchement c'est cool. Il y a tellement à faire et tellement de trucs, c'est... le jeu est quand même... Enfin, on lasse pas, j'espère que vous non plus. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao tout le monde.